Je m'appelle Marcus, j'ai 51 ans, j'habite en Suisse et je suis coureur au large. Actuellement, je suis dans le processus de qualification pour participer à la Mini Transat 2023. La qualification hors course, c'est un passage obligatoire pour pouvoir participer à la Mini Transat. Le parcours est imposé, il fait 1000 milles nautiques, soit un peu moins de 2000 km. Et c'est une boucle entre l'île de Ré, le plateau de Rochebonne, et on va chercher une bouée tout au sud-est de l'Irlande. Ça va être comme ça sur toute la journée pour la Bretagne. Et ça va se calmer un petit peu après, pendant quelques heures, voire un, deux jours. Et après, on verra. Comme ce n'est pas une course avec d'autres concurrents, c'est au skipper tout seul de décider quand c'est qu'il veut partir en fonction de la météo. La mer Celtique peut être très hostile avec toutes les dépressions qui arrivent de l'ouest. Pour mon parcours, une fenêtre s'est ouverte samedi matin alors que j'étais à Port-Bourgenais, c'est tout près des Sables-d'Olonne. J'ai avitaillé dans la foulée, puis je suis parti dans l'après-midi. J'avais une fenêtre d'environ 48 heures le mardi et le mercredi suivant, après mon départ, pour faire l'aller-retour dans la mer d'Irlande. Fallait donc pas traîner en route. Can we change channel? I'm on course on a qualification course for Mini Transat and I'm heading to Ireland. Roger, sir, channel 6-7 and standby, over. 6-7. Le passage du Ratzin et du Chenal du Four est toujours un moment un peu critique. Des forts courants et puis des changements au niveau de l'état de la mer réservent souvent des surprises aux navigateurs. Et il faut vraiment planifier son passage en fonction des heures de marée, des courants et puis rester toujours très attentif. Que je mange quand je navigue en solitaire, honnêtement, je mange pas très bien. C'est encore une partie que j'ai un peu mal à gérer. J'ai quelques rituels comme les céréales le matin avec le café au lever du jour, une orange pour autant que j'en ai encore pendant la journée, et puis pour l'apéro le soir, le saucisson et les cacahuètes. Mais sinon, c'est des plats lyophilisés ou apertisés. Et c'est vrai qu'en tant qu'épicurien, c'est pas très facile et il faut que je me force un peu. Voilà la bouée! On y est enfin! Königsberg! Maintenant, c'est retour maison! Bye bye! Deux visages, effectivement. Hier, c'était le bonheur, aujourd'hui, c'était un peu le calvaire. Depuis la bouée de Königsberg que j'étais chercher, le vent a commencé à monter et j'ai
fait du pré, entre 25 à 32, des vagues à 2 à 3 mètres pendant plus de 20 heures. Et ça, ça vient de se calmer. Le vent a tourné, il y en a peu, et ça me permet d'aller directement sur les Scilly. Ouais, dans une dizaine d'heures, j'aurai passé les Scilly, je serai de nouveau dans la Manche. Où c'est que je dors. Quand je dors, pas beaucoup, hein, par tranche de 20 minutes, jamais plus. Hop. D'abord, rentrer. Voilà. Donc, voilà, là je suis à l'intérieur du bateau. Donc, il y a beaucoup de changements du poids. Il y a une centaine de kilos ou 150 kilos à matosser chaque fois. Alors, je parlais de dormir. Quand je suis fatigué, je prends ça, je pose là. Ça et je dors. Je mets le réveil 20 minutes et je dors jusqu'à ce que le réveil me réveille. De temps en temps je me douche. La cabine de douche elle est ici, c'est là qu'on se douche et ça se passe très bien avec le bidon, et ça marche. L'eau salée, un peu de savon et de l'eau salée de nouveau pour rincer. On profite du moment présent. Il y a beaucoup de temps aussi pour réfléchir, pour être avec soi-même et pour penser à tous ceux qui nous aiment. Voilà. Un des moments les plus difficiles, c'était avant le départ, c'était décider de y aller, alors que le port était fermé pour cause de tempête. Et puis mes copains n'étaient pas franchement très rassurés, ils avaient l'air un peu inquiets. Donc il fallait vraiment un petit peu de courage pour dire c'est le bon moment, cette opportunité, peut-être qu'elle reviendra pas tout de suite. L'autre moment difficile, c'était lorsque, après 36 heures de navigation environ, j'ai perdu mon pilote automatique. Voilà, derrière moi, l'avant-dernière difficulté du parcours, le ras de Saint. Heureusement, j'avais un pilote de secours. Mais j'ai navigué effectivement la plus grande partie de la qualification en mode dégradé, sans indication de direction et de force du vent, ce qui est relativement compliqué pour bien sentir le bateau. Finalement, c'était un très très bon exercice. Voilà,
dimanche matin. J'aurais préféré commencer différemment cette journée. Ça fait depuis 5 heures que je me bats pour redescendre le Spi. J'avançais à entre 8 et 10 nœuds. Quand tout d'un coup, le Spi s'est enroulé sur l'été. 5, 10 fois. Et impossible de le bouger, impossible de le descendre, etc. Et après 3 heures de bataille, voilà. Il est en bas, mais il faut que je défasse encore les nœuds. J'ai pas bien compris ce qui s'est passé, et voilà, c'est des choses qui arrivent, il paraît. Donc moi, je vais boire un café, remettre juste le génois pour pouvoir avancer un peu, et puis me reposer, et après je remettrai le Spi une fois que je serai reposé. Je suis content. Voilà pour le passage de Rochebonne. Donc là, c'est la cardinale Est. Et rendez-vous à l'île de Ré. Voilà, on arrive au pont de Ré. On va passer sous le pont. Chose qu'on ne fait pas souvent, que j'ai fait peut-être 2-3 fois dans ma vie avec un bateau. Voilà le passage du pont. Il est 20h38. Dimanche 15 août. 20h38, on a passé le pont. Coucou les amis, je suis rentré cette nuit, mardi matin à 1h au port de la Turballe. Il y avait le comité d'accueil, c'était super cool. Et puis après un petit dodo, on remet en état le bateau et on essaie de regarder tout ce qui n'a pas fonctionné, comme par exemple le pilote automatique, et j'ai trouvé pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ça c'était débranché, et puis ceci a entraîné un tas d'autres choses que j'aurais peut-être pas dû faire vu que j'ai fait faux, mais voilà, c'est des choses qu'on apprend. C'est pour ça qu'on fait ce genre d'aventure, pour être sûr que ça n'arrive pas pendant la mini transat. Voilà, appréciez le port de la Turballe depuis un mât de 10 mètres de haut, 11 mètres, je sais plus. Voilà. Avec tous mes copains ministres.